Moussa Camara a beau chercher, il ne trouve pas son nom sur la liste des électeurs. Et pourtant, il fait bien partie des 2 millions de personnes qui sont appelées aux urnes ce mardi pour la présidentielle au Libéria. Neil Dor a plus de chance et il attend beaucoup du président. Education and help to the poor people, assistance women, pour les pauvres, men, les femmes, children, and les especially hommes, those les enfants, spécialement les SDF. Anyone. Le gagnant m'importe peu, que Dieu nous aide à avoir un bon dirigeant, pour que nos enfants aillent à l'école, pour qu'il y ait la paix et qu'on soit libre d'aller où on veut. And we should be free to move around. Le favori, c'est George Weah, l'ancienne star du foot. Il devançait de 10 points au premier tour le vice-président Joseph Boakai. Le choix de sa colistière fait grincer quelques dents. C'est l'épouse de Charles Taylor, l'ancien président condamné à 50 ans de prison pour crime de guerre en Sierra Leone voisine. Le roi George, comme l'appellent ses partisans, promet des emplois et des investissements dans l'agriculture, l'école et les hôpitaux. Mais l'ancien attaquant du Milan AC est novice en politique et le Libéria est écrasé par des difficultés économiques.